Eh bien, bonjour à tous, c'est Docteur Horse. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dig or Die. Alors, lors de cet épisode, ce qu'on va faire, on va essayer de commencer à farmer pour les Blackfish, en fait. Donc, il me faut les ailerons, en fait. Des poissons qu'il y a au sous-sol. Je suis en train de regarder tout ce qui me manque. Après, ce sera des gazrocs, il m'en manquera que deux. Donc ce sera relativement simple, je pense, de les avoir. Donc c'est vraiment d'arriver à farmer ces fameux ailerons. Et j'ai vraiment du mal à les avoir. Vous avez vu au dernier épisode, j'étais en bas et j'ai tué plusieurs poissons. J'en ai pas eu un seul encore, donc ça va pas être évident. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à farmer ça. Donc j'ai décidé de ce que j'allais faire. On va voir combien il me faut d'épisodes pour arriver à le farmer. Je pense que je vais en passer un déjà là. Et si j'arrive pas à les avoir, j'en passerai un... Enfin, je passerai plus d'épisodes, mais j'essaierai de le faire en hors vidéo, en fait, pour pas vous embêter avec ça. Et une fois que j'aurai tout ce qu'il faut, une fois que j'aurai tout ce qu'il faut du coup pour faire ma fusée et m'enfuir et peut-être finir le jeu du coup, eh bien on fera un nouvel épisode au milieu avant de s'enfuir, où j'essaierai de tuer tous les types d'unités ennemies et de faire vraiment une bonne défense et de voir si j'arrive à me défendre à ça et de voir un petit peu comment ça se passe en fait. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc il y aura un épisode, on va dire, subsidiaire avant de finir le jeu. Et ensuite, ou alors voilà, et même ce sera à la fin de cet épisode qu'on finira le jeu. Hein. Mais sachez voilà qu'avant de m'enfuir, en tout cas, j'essaierai de faire un épisode entier, ou en tout cas une nuit vraiment de grosse défense, quoi. Voilà un petit peu comment j'ai décidé de faire les choses. Donc là, vous voyez, j'ai drop un aileron déjà. Ce qui confirme que c'est bien sur ces poissons que je les aurai. J'en ai qu'un toujours, hein, c'est pas évident. Pas évident du tout, hein. Ah, un deuxième. Un troisième, très bien, très bien. Ouah, l'air. Potion. Petite potion, ok. Bon là c'est quand même du farm à l'état pur hein, mais bon. On est obligé de passer par là. Après j'ai pas envie de vous couper ça non plus, parce que ça fait partie du jeu. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai pas fait vraiment d'épisodes pur farm. À chaque fois voilà, on faisait des choses autour. Et du coup vu qu'on touche bientôt à la fin, ça permet aussi de faire durer un petit peu le suspense. J'en ai 4. Alors ce que je peux faire vu que ça repop, c'est retourner sur mes pas. Regardez, ça a déjà repop ici. Bon, l'avantage du laser en fait, c'est que quand il y a plusieurs unités, ça passe à travers. Ah, un aileron. Ah, plus d'air. Ah, je peux laisser appuyer, je savais pas en fait. Chaque fois, je cliquais comme un bourrin. Et avec tout, je peux laisser appuyer. Enfin, ça oui, ça c'est logique, mais. Non, ça je peux pas, ok. Bon, Osef, hop. Alors je sais qu'il loot à chaque fois des gemmes, mais c'est vrai que je récupère même plus tout parce que voilà. C'est pas forcément utile d'en avoir 10 000. Les rouges, on va quand même les prendre au cas où. Je sais plus ce qu'il me faut pour faire des tourelles, parce que dans tous les cas, il va falloir que je farme aussi pour faire les grosses tourelles et me faire vraiment la défense et voir un petit peu comment ça se passe. Genre peut-être faire des murs, faire des nouvelles choses. Des murs avec des repères derrière, des tourelles, enfin vraiment un bon principe pour pouvoir être safe. En tout cas j'ai 6 ailerons déjà. Finalement ça avance plutôt vite. 7 ailerons.
Je voulais volontairement qu'il m'attaque le poisson. Je voulais voir un petit peu les dégâts que ça faisait. Je voulais voir par rapport aux autres créatures ce que ça faisait. Et c'est vu. Hop, hop. 3 poissons, allez. Il me manque plus que 2 ailerons. De toute façon, les ailerons, ils me serviront qu'à ça. Donc, dès que je les ai, ça me sert plus à rien de tuer ces poissons. Donc, très bien. On va finir ça. What? Attention. Allez, allez, allez. Le dernier, il se fait attendre. Il se fait désirer. Là-bas. Allez, moi, j'y crois pour celui-là. On va y aller au sniper. Oui, mais j'ai plus de balles, ok. Le critique que je lui ai mis à lui. Ouais, ben non. Prochain, là il y en a 2. C'est pas pour celui-là. Allez, celui-ci peut-être. Oui, voilà. Donc là j'ai le dernier aileron. Donc on va pas s'embêter. On retourne à la base. Et donc ce qu'on va faire, on va directement aller chercher le gaz rock. Comme ça j'aurai tout ce qu'il faut pendant cet épisode pour faire la fusée. Et puis regarde où tu vas. Hop. 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 Il se recharge. Donc voilà, on repart ici. Par ici, on va sauvegarder comme c'est fait, voilà. Voilà, voilà. On va aller les gazrocks, j'ai pas de j'ai rien pour me TP là-bas, non. Alors je suis en train de réfléchir, je sais pas si j'aurai assez pour assez de support. Est-ce que j'aurai assez de support? Je sais pas du tout. Ah mais c'est déjà la nuit, j'avais pas vu. Ah oui non mais du coup je vais aller nulle part pour l'instant, je vais rester là. Vous savez quoi, je commençais à faire les petites parties de fusée, comme ça je sais ce que j'aurai en plus pour pouvoir faire les tourelles. Attendez par contre. Oh non non non, cassez pas là-bas, cassez pas là-bas, cassez pas là-bas, faites le tour s'il vous plaît. C'est pas ma base. Oh my god, ça a cassé, ça a cassé, ça a cassé. Faut que j'aille réparer, réparer, réparer. Clac. Ça répare, ça répare. Repair kit. Repair tool. Repair tool, repair tool. Il est où? Alors, revenez par là, revenez par là. Oh my god. Ça a vraiment tombé la force. Ah, j'avais pas vu en bas. Je crois qu'ils m'ont cassé une Catling là. C'est embêtant. Non mais non non non, faut pas que ça arrive trop de ce côté, ça va tout casser là. Oh my god. Ils ont tout cassé. Save automatiquement, ça va, ils ont pas... Ça va, c'est gérable. En fait je me dis d'ailleurs que pour faire une base ce serait limite bien que ce soit un truc en plein air, comme ça il casse pas ici. Ou alors je fais carrément avec du... Attendez, on va voir. Donc je fais ce que j'avais dit, je vais faire ça, ça. Normalement je les ai dans mon inventaire, on est d'accord hein. Quelque part, voilà, ils sont en bas, machine. Ça on le laisse là-dedans, c'est tout. Ce que je vais faire. Ce que je vais faire déjà, je vais voir combien j'ai de ça. Ok, 18. Ça. On va renforcer la base avec ça directement. Attendez. Ok, non non c'est bon. Ça je peux en faire autant que je veux en fait. Autant que je veux. 4 machin. Ah j'en avais plus que je pensais par contre hein. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va carrément quoique s'il pleut non c'est moche ça. Ah en bas ils sont bien passés par contre. Va falloir que je m'occupe de ça. Ah, attends, est-ce que j'ai récupéré le repair machin? Le repair tool, oui. Donc ça déjà c'est renforcé, donc ça permettra de tester un petit peu la base et tout. Au prochain attaque. Attendez, parce qu'il va me falloir des supports certainement.
J'ai l'impression qu'il y a besoin de moins de support par contre avec ça. Je sais pas. Ah oui, non, mais c'est celui d'en bas qui a du mal aussi, peut-être. Hop. Bon, attendez, parce que là, ils vont me saouler en dessous. On va y aller par là, hein. On va pas s'embêter. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça fait ça? Alors, oui, à la limite, ça, je pourrais le boucher avec ça. Ouais, il faut que je refasse une Gatling et tout. Faut que je renforce la base, hein, de toute façon, là, donc. Gatling, je peux pas la faire, je suppose. Non, il me faut de l'iron. C'est pour ça que je voulais venir là. Je peux faire de l'iron en fait. Hop, on peut faire la Gatling. Ce qu'on va faire, on va la faire. On va la faire. Hop, on va bien boucher ici. Logiquement, de toute façon, il y a toujours mes tourelles là-bas. En fait, ce qu'on va faire, c'est que ça sert à rien de les faire aussi loin. On va le faire comme ça. On va changer un petit peu la technique. Du coup, je refais une Gatling pour rien. On va la mettre ailleurs au pire. Bah, à droite, là où je l'avais perdu. Et là, regardez. Regardez. J'essaie de me dépêcher. Pas perdre trop de temps. La construction. Voilà, là. Deux. On peut s'en mettre trois à la limite. Hop. Et bah, c'est très bien. C'est très bien, tout simplement. Je vais y arriver. Ensuite, comment on va faire ça ici? On va faire un principe pareil de mur. Alors, par contre, il faut reboucher bien ici avant. Hop. Voilà. Donc là, déjà, le sol est pas mal. L'idéal, vous allez voir, par contre, on va refaire tout le sol aussi. Enfin, je commence à préparer du coup pour la base. Hein. Hop. Qu'il y ait des fondations plus solides en fait. Ah, j'en ai plus. Oh mince. Flûte alors. Flûte. Ah, ça c'est moche. Très moche par contre. Attendez, pourquoi c'est déjà cassé tout ça? Ah, je vais pas en sortir. Alors. Ça, on va réparer. Ça, on va sniper. On va réparer. Ah, je sais ce que je vais faire. En fait, je vais refaire une base ici. Genre le truc secondaire, vous savez. Ah, attendez. Un peu loupé. Je suis en train de réfléchir où je mets l'entrée. Mais d'un autre côté, j'ai des téléporteurs. Donc, une entrée. C'est pas forcément utile. Non, c'est pas utile une entrée. Je pense qu'on va le faire avec des téléporteurs. Au moins, ce sera beaucoup plus safe. Alors, l'idéal, même, regardez, on va faire en sorte de construire. Alors, déjà, il va falloir que l'eau bouge de là. Ah, est-ce qu'elle va s'évacuer comme ça? Voilà, faut que le toit soit comme ça en fait, qu'il soit au niveau de la terre pour que ce soit plus renforcé quand même le truc. Et vas-y, bouge l'eau, voilà. Voilà, hop. Donc on va commencer déjà à recréer la base, hein, en même temps, vu que j'ai bientôt la fusée, mine de rien. Je pense pas soit la peine de faire un truc super grand. Est-ce que je fais deux épaisseurs au cas où? Est-ce que... Bon, je vais faire confiance au mur renforcé. Alors, je sais pas si ce sera à tort ou à raison. Et la rigueur, on va le mettre quand même jusque là, à peu près. Voilà, un de plus, ce sera pas mal. N'oubliez pas surtout, quand vous faites ce genre de choses, de mettre aussi un sol. Parce que vous voyez qu'il nous attaque par en bas. Là, c'est limite pas mal. Hein. Après, je peux rentrer dedans avec les téléporteurs à la rigueur, donc je sais pas ce que je ferai. Dans tous les cas, je peux faire un principe comme ça, par contre. Ce que je peux faire... Est-ce que j'ai récupéré le réparateur? Non.
là on va vraiment repréparer la défense. En fait on va vraiment bouger la base là, c'est vraiment l'idée. Donc tout ici c'était cool un moment, mais là on va changer. Parce que là on touche à la fin, donc pour faire une belle défense je pense que ça va être utile. Alors ça là-haut on va récupérer. On va faire mieux, on va récupérer comme ça, voilà. J'espère que je vais rien perdre en faisant ça. Normalement on récupère tout hein, mais bon. Sinon je vais vite le voir, au pire j'avais une sauvegarde et bon bah ça m'embêterait quand même, mais bon. Voilà, là c'est pas mal renforcé. Ça sert à rien après que je fasse une base beaucoup plus grande hein, je pense. Ça peut faire stylé, pourquoi pas, mais en soi c'est pas utile quoi. Ce qui peut être utile, c'est que je mette une deuxième couche à la limite de mur, quoi, c'est tout. Enfin, je sais pas si ça, ça sert, on va le faire quand même au cas où. Mais une deuxième couche de mur renforcée à la limite. Ouais, les trucs renforcés, ça peut aider quand même. Alors attendez, on va faire le tour de ce que j'ai. Alors pour plus se faire embêter, on va se mettre déjà une tourelle. Où sont mes tourelles? Alors voyons voir ce que j'ai, ouais effectivement. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui d'ailleurs les tourelles ça va être très utile puisque l'attaque va bientôt commencer. Donc, je pense qu'on va faire, on va mettre des petites tourelles sur les côtés. Voilà, et après en fait les grosses comme ça elles seront vraiment sur ma base pour la protection, protection de la base directement. On va faire ça aussi. Voilà, donc ça on va les mettre au-dessus, voilà comme je l'ai dit. Mettre une là, une de ce côté-là pour l'instant. What? Attention! Et une à l'intérieur, vous savez quoi, comme ça ça rentre, ça peut tirer aussi l'extérieur. Hop. Alors je vais mettre une Gatling ici, qui va tirer sur tout ce côté-là logiquement. Ah, la Gatling, attendez, on va faire comme ça plutôt. Hop. Je pense que ce sera mieux comme ça, voilà. Et la Gatling, je vais mettre une qui tire sur ce côté là à droite, ce qui arrive. Voilà, on va la mettre même plus proche du coup, genre par là. On va en mettre une par là et l'autre, on en mettrait une autre Gatling qui sera retournée de l'autre côté. Et attendez, bah, j'ai pas fini hein, mon idée. Ce serait bien que j'ai ça. Et genre là je vais mettre le réparateur, comme ça il va réparer mes tourelles au fur et à mesure. Et les murs aussi, vous voyez. Là au moins je suis pas loin pour savoir ce qui se passe là. Oula, par contre je suis un peu bloqué, faut que je fasse gaffe. Alors tout ce côté là bien sûr faudra que je le renforce après. Voilà, est-ce qu'une deuxième couche de mur comme ça, ça pourrait être utile. Oh, regardez. Là, je vais mettre un autre réparateur de ce côté-là après, voilà. Ah oui, elle, je l'ai pas tournée par contre. Je sais pas si vous avez vu, mais... Attendez... Ouah ! Je suis un idiot. J'avais pas vu que j'avais plus de vie. Ah, je suis un idiot. Attendez, j'ai passé la nuit. Il y a l'autosave, dites-moi qu'il y a l'autosave. Ah, j'espère. Ah oui, oh nickel. Ah, j'ai eu très très peur. En plus, l'autosave est parfaite. Comment je suis... Ouais, j'ai dû prendre masse de coups d'un seul coup. Donc, la preuve que des fois, on peut mourir bêtement. Très bêtement, même. Ok. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... Je sais pas si vous avez vu, ici ça s'est fait attaquer les murs renforcés par, par le truc qui défonçait carrément mes anciens murs. Et là ça a pas fait un seul dégât quoi. Alors en plus vu qu'il va y avoir un autre truc de réparation à droite, ça va être inviolable en fait ma base. Parce que déjà ils vont avoir du mal à y faire des dégâts. Et en plus ça va se réparer automatiquement. Donc nickel en fait j'ai envie de dire. Après je pense que l'idéal serait de boucher l'entrée et de vraiment faire un téléporteur quoi, pour, même pour sortir en fait. Donc de faire même un nouveau téléporteur pour le mettre juste à l'extérieur de ma base, juste pour pouvoir sortir. Pour que ça fasse un minimum RP, vous savez. Et qu'il n'y ait plus cette petite entrée ici en fait. Je pense que ce serait même l'idéal.
Donc à voir. Donc dans tous les cas, j'ai ma petite fusée. Ok, donc toutes ces parties-là, je vais les reposer. En tout cas, j'ai eu chaud. Heureusement qu'il y avait la save automatique. J'ai pas du tout fait gaffe à ma vie. Voilà, on va les mettre dans l'ordre. Hop. De plus en plus gros, voilà. Ça fait joli. Ah, il me manquerait peut-être des lumières là-dedans. Bah une au milieu, suffira ou quoi? Ouais, c'est pas mal hein, déjà. Ouais, attendez. J'ai envie d'en remettre une. Je vais faire comme ça on en aura un peu partout. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas... On va la mettre par terre, ça suffira. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, on va déjà mettre des murs renforcés. Le truc renforcé ici, comme ça passera pas. Celui-là aussi, voilà. Là, ça va commencer à devenir compliqué pour eux là de passer, là, vraiment. Non, tout ce côté-là est plutôt bien. Tout ce côté-là est plutôt bien. Donc là voilà, il me manquait plus que cette partie là. Donc avec le gaz machin, il me faudrait faire d'autres tourelles. D'autres tourelles, j'ai 15. Ah, il me manque juste de l'iron hein, pour faire d'autres tourelles. Attendez, je vais me faire la petite sauvegarde, la vraie YouTube, save. Ah, il me manque un truc, j'ai oublié de reposer mon téléporteur justement. Le mettre devant, c'est peut-être pas une idée brillante. Regarde, il répare le mur pendant que je le détruis, génial quoi. Attends, on va faire un truc comme ça et on va mettre le téléporteur carrément en haut. Voilà, j'aime bien, c'est tout. Donc, on va se téléporter quelque part, on va essayer juste de récupérer de l'iron, donc là où je suis à la rigueur. Ça peut le faire. Je sais pas trop où je suis en fait là. Ah si, non, là j'aimais pas cet endroit. Bah plutôt. Ah bah regardez. Je veux dire, pas besoin d'aller bien loin. On va mettre ça quand même, que ce soit un minimum bouché. Alors, à la rigueur, je suis même pas allé sur la gauche, donc on va faire ça. Mettre plutôt ça ici, c'est plus safe, je préfère. Moi, je sais que je peux pas passer. Ah oui, non, mais ça, c'est pas. Ah oui, non, je croyais qu'il était. Ah, mais du coup, le pont non plus va pas passer là. Non, ça va pas passer. Donc oui, non, on va faire ça, ce que je disais. Comme ça, je suis sûr que je peux pas tomber au milieu, vous voyez. J'ai oublié, ouais. Il me semblait bien qu'on y voyait pas grand-chose. J'ai oublié de remettre ma torche ici. Hop, voilà. J'explore ce côté parce que j'ai déjà exploré l'autre. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'iron en fait. Donc là, on va repartir de l'autre. Bon, y a deux petits lingots en dessous. On va essayer de récupérer ça. Hop. Ça mène où là? Bon, j'ai un peu d'iron. Pas énormément, mais. Surtout avec les risques que je vais prendre là-dessous. Bon, on va oublier, on va essayer de chercher directement un gisement un peu plus gros. Moins dangereux. Hop, alors là j'étais déjà passé de toute façon. Je suis peut-être pas passé à gauche, je sais plus du tout. Si, là j'ai dû y aller. Là-haut par contre, c'est possible que j'y sois pas allé puisque je cherchais quand même des trucs qui étaient plus rares, donc plus profonds. Peut-être pas voulu trop monter. Ok, donc là ça fera des ressources aussi, ça peut être utile pour faire d'autres tourelles, ça va m'être utile. Bon, il faudra quand même de l'iron, hein, c'est pas ce que je dis, mais déjà, si j'ai un peu plus d'alu. Au pire, l'iron, si jamais je peux directement aller dans la mine optimisée, je vais directement en hauteur. Et je vais en récupérer beaucoup plus, peut-être qu'en profondeur, ça se trouve.
Il en met un petit peu à gauche, mais c'est un petit gisement, donc je préfère remonter un peu là. Ah voilà, ça j'aime bien par contre. Voilà, voilà, donc il m'en faudra pas mal de toute façon, donc je vais continuer à en prendre avant de redescendre. Ça va être un peu limite encore, mais bon. Ah oui d'accord, je suis là. Ah, je suis à l'extrémité en fait, au niveau de la faille en fait. Ah par contre, ça va être risqué, faut que je fasse gaffe à un truc. C'est de laisser une paroi en fait entre ça. Pour récupérer, parce que sinon l'eau va me pousser et je risquerai de tomber dans la faille en fait. Là j'ai pas bien récupéré. On prend un peu d'eau. Un peu d'air plutôt. Hop. Alors faut que je redescende. C'était par là. Bon, ça va plus vite en redescendant de toute façon. Hop, 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 hop. Ouais, ça va. C'est par ici, je crois. Et voilà, donc là, je me retépais à ma base. Alors, j'en suis où? J'en suis que je dois avoir assez d'iron peut-être pour faire d'autres tourelles. C'était pas pour les tourelles que je voulais l'iron. D'accord, très bien. Pourquoi je voulais de l'iron alors? J'ai plus rien à faire avec de l'iron. Attendez, je sais plus ce que je fais là. Pourquoi je voulais de l'iron? Ah, peut-être pour faire la Gatling. Je crois qu'il y avait une Gatling qui avait sauté, je voulais en faire une autre. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Donc ces tourelles là, en fait, j'ai juste besoin de colle et de ça. Pour l'autre, j'en aurais besoin par contre d'en garder 10, c'est ça? Non, attendez. C'est cette partie là qui manque, la partie du milieu, ouais c'est ça. Il faut que je garde 10 aluminium, donc pour l'instant je peux faire deux autres tourelles comme ça. Bah non, plus. Non, j'en ai beaucoup plus que ça en fait, donc deux autres, hop. Ça c'est stylé, et là je vais mettre celle-là qui va se tourner de l'autre côté. Alors après je suis en train de réfléchir à un truc qui serait cool. Ah si, c'est pour ça qu'il va m'en falloir aussi l'iron, vous allez voir. En fait c'était pour faire ça je crois. Voilà. Faire des murs renforcés. Je vais en faire pas mal. Ah et par contre le réparateur il me faut quoi? Ah bah oui, bah du charbon aussi. Mais du coup en bas j'ai pas tout pris niveau charbon, je vais pouvoir en remettre un là. Alors après, pourquoi je fais ça, vous allez vite comprendre. Je vais essayer de pas mourir cette nuit bêtement comme la dernière. Remonter un peu. Eh mais ils ont détruit... Ah mais non. Ah si si, ils ont détruit une de mes tourelles à l'entrée. Ouais, donc mine de rien, c'est que voilà, il va falloir que je fasse ma technique. J'ai une idée technique, on va la faire. Il va falloir que je refarme un petit peu quoi du coup. Ah si, ils font mal en fait quand même. Hop. Attends, je refasse des potions peut-être aussi. Ah le Blackfish, ok. Alors, quelle va être ma technique? C'est très très simple. Voilà, comme ça. On peut même se permettre de boucher peut-être. Un petit truc pour monter. Alors dans le trou je vais mettre un truc pour réparer.
Là, il va falloir que je remette une tourelle là où je suis exactement parce qu'elles ont sauté. Et en fait, voilà, ici, je vais pouvoir remettre des tourelles là. Voilà, je vais pouvoir en mettre 3. Et donc, je vais peut-être pouvoir en mettre une là et une là aussi. Et voilà, au fur et à mesure, comme ça fera pas mal de tourelles pour défendre. Ce serait plutôt bien. Donc, pour les tourelles, voilà, il va me falloir encore pas mal d'aluminium. Il va me falloir pas mal de charbon aussi à récupérer. À la limite, je vais fermer un petit peu en hors vidéo pour faire pour continuer la base. Et du coup, on va stopper cet épisode ici. Je vais faire une petite sauvegarde. Save. Yes, voilà. On va stopper cet épisode ici. Et puis le prochain, on se reprendra une fois que j'aurai fermé pour pouvoir faire la base telle que je vous ai dit. Et voilà, donc si on va le tuer, voilà. Et puis, donc voilà, prochain épisode. On termine la base, on essaie de tuer d'autres créatures pour faire vraiment de la défense face à un bon nombre de créatures. D'ailleurs, vous voyez que là, je vais avoir un souci parce que si l'eau monte comme ça, c'est les poissons, là, les blacks qui vont m'attaquer et eux, ils font mal. Alors, il faudrait pas qu'ils aient attaqué mes bâtiments, donc je pense qu'il faudrait carrément que je ferme l'accès pour pas que l'eau puisse revenir ici. Comme ça, je vous dis, je sortirai à base de téléporteur. Donc, il faudrait que je ferme pour me faire un autre téléporteur aussi à l'extérieur. Et donc, voilà. Ensuite, à la fin du prochain épisode, je pense qu'on essaiera aussi de se faire la fusée pour essayer de finir le jeu, tout simplement. Donc, bon, bah écoutez, je vous dis au prochain épisode.